Oui, mais on peut aussi faire voler comme des oiseaux des choses. Et là, j'ai dit que ça, c'est pour moi. Et j'ai rajouté mes images sur ces particules-là. En plein milieu, vous avez une page qui présente le Festival d'art numérique, dans lequel vous avez un certain nombre d'images, dont celle-là. Donc, je l'ai prise, cette image-là, et je les laisse tomber du ciel. Vous allez dire, je ne suis pas venu me lever aux aurores, à des heures pas possibles, pour voir ça juste au milieu du ciel. Donc, je lève les bras un peu plus. Lentement. Ne bouge plus. Et vous voyez, je ne vais pas dire les images lui restent sur les bras. Ça serait un peu négatif. Alors, merci. Tu marches juste en dehors du petit espace. Stop. Encore un peu. J'ai ici une série de caméras, trois. Une caméra vidéo classique au milieu, une caméra infrarouge, vous la voyez quelque part, le point rouge, je crois. Oui. Qui a des lunettes? Vous le voyez là, le point rouge? Non? Il est à gauche en fait. Oui, il est à gauche. Ah bah, la gauche est là où le pouce est à droite. Oui. À droite. Bon, bon ça. Et il y a une troisième caméra qu'on appelle un ultrason. Ça émet un son et ça le fait revenir. Tu reviens, s'il te plaît. Et tu parles un peu plus. Ne bougez pas, on va régler un peu mieux. Comme ça, elle n'a pas besoin de bouger tout le temps. Voilà. Tu ne fais rien. Le logiciel, le programme, le ultrason. Bon, ce n'est pas moi qui l'a fait. J'ai contribué à faire des éléments là-dedans. C'est un mot très drôle, et les journalistes notaient bien, c'est une analyse de blob. Un blob, c'est un mot américain qui veut dire une tâche. Donc, l'individu, là, tu es une performeuse en ce moment, donc tu es analysé par la caméra, et ne te reproduit pas tel que tu es, mais par petits espaces. Ce qui permet une interactivité. Vous avez vu, écarte les bras. Donc, il y a une interactivité totale entre le système et le performer. Plus fort, allez-y, on va parler, n'hésitez pas. Vous disiez quelque chose? Ah oui, j'ai gardé une image. Rattrape-la. Ouais, ouais. Ah, ça, attends, ça, tu vas venir après. Non, elle a déjà donné, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Au suivant. Alors, tu connais la règle, hein? Et le mouvement ultra lent. Plus que c'est lent, mieux ça va. Bon, on ne va pas l'embêter avec ces images-là. On va prendre d'autres. Tu t'as trouvé vers le bras. Ah, elle a un bébé. C'est bien. Comment elle s'appelle? Clémence. Oui, non, c'est ça, j'ai entendu. Quand je veux, j'entends. Vas-y, poursuis. Si tu es de très très bon chemin, non, tu te baisses. Voilà. Vas-y, passe sur la tête. Tu pousses doucement. Poursuis. Un seul doigt, ça va mieux. Un seul doigt. C'est bon. N'importe. Et tu le pousses, ou tu baisses la tête, ça marche aussi. Vas-y. Tu mets les deux bras vers moi. Ça va marcher. Les deux bras vers moi. Voilà. Penche pas complètement vers ici. Ça y est, bravo! Vas-y, Kong! Oh, mais je tiens! Vous pouvez l'applaudir!
Tu recules. Maintenant, quelqu'un connaît la chanson Singing in the Rain? Oui. Tu chantes très fort. Bravo. Formidable. Venez, viens quelqu'un, il faut le tenir pour qu'il lève sa jambe. Mais allez. Lui aussi, il a droit. Un demi-douzaine de porte-clés, c'est réussi avec le pied de la trappe. D'accord. Donnez-vous la main, comme ça tu peux l'équilibrer. Non, élève. Oui. Voilà. On peut l'applaudir, non? Ouais. Merci beaucoup. C'est mieux que je pensais. Thank you.